Sébastien. Donc salut à tous, c'est Chiquito. Donc on se retrouve pour un petit let's play qui va me faire plaisir. Alors déjà je pense que vous avez remarqué, on n'est pas dans un jeu normal. On est en VR, voilà. Donc ouais voilà, je suis en live. Non je rigole. Donc voilà, on va tout de suite partir PS Move, hein, bien sûr, je le subis bien. Hein. Casse VR, PS Move. Bientôt la facecam. On va se mettre en smooth movement. Voilà. Donc j'ai quelques petites... Alors, bien sûr, on va passer par le tutoriel. Hein, voilà. Donc, allez, on est parti. On est y part. Voilà. Donc je vais pas essayer d'être trop surexcité non plus, parce que... voilà, quoi. Hein. Donc j'espère que vous voyez bien ce jeu magnifique. Ce jeu est magnifique. Et voilà la petite libellule. Coucou. Ok, donc salut Joey. Voilà. Oh, salutations, je m'appelle Joey. Ling, je suis juste pourquoi. S'en bat les couilles. Ce qu'on veut voir, c'est la beauté du jeu. Nous. Allez, c'est parti. Ah, donc là, déjà, je sais comment on marche, voilà. C'est bon, c'était juste un test, voilà. Pour savoir. PS Move et tout, là. Donc là, on peut ouvrir le menu, voilà, en restant appuyé sur rond. Bah, on va aller sur le guide. Bon, regardez comment c'est stylé, ce jeu. C'est vraiment bien fait, quoi. Regardez ça. Par contre, sous mes pieds. Ah, donc là, on peut aller. Ah, désolé, mais c'est pas le tuto. Hein, mec. Ah, donc là, voilà. Comment on fait pour tourner? Bon, si je peux tourner comme ça. Mais si je fais trop de tours, après les fils, hein, ils vont pas trop supporter. Bon, par contre, si quelqu'un sait comment on court, voilà dans les commentaires, hein, tout de suite. Dans les commentaires, en bas là. Voilà. Mais bon. Ah, mais attends. Attendez. Franchement, je peux pas. C'est des bâtards. C'est des fils de pute. Je peux pas retourner dans le guide pour voir comment je fais pour courir. Non, moi, je sais pas. Bon, on va aller dans le train pour assister à petit voyage sur le rail. Bon, je vais pas vous mytho, j'ai déjà un peu joué quand même pour voir le jeu et tout ça. Hein. Mais bon, ça me dérange pas de refaire le tuto pour vous. Hein. Donc là, l'île de Arc. Donc là, on est sur l'île de base, hein, si vous avez compris. L'île pour accueillir les... Les putains, j'avais pas vu ça. Wow. Eh, c'est la Terre, ça. C'est quoi? C'est la Lune. C'est... Voilà, donc... Je vais éviter de prononcer, je vous dis. Voilà, donc regardez la beauté du jeu. Bon, ce sera pas pareil que pour moi, mais bon. Cascade, les... Ah, donc on est sur l'île pour accueillir les... Les visiteurs. Et donc là, on va accéder... Bah, je vais pas vous dire, en fait. Vous êtes prêts? On est parti. Allez, c'est parti. Donc la carte et tout, c'est très très bien fait. Donc la fermeture des portes. Très silencieux en tout cas. Très très silencieux. Donc là, on va passer au-dessus de l'eau. Voilà. Donc regardez-moi ça, la beauté du jeu. Ah voilà, donc le petit dauphin. Un petit dauphin des familles. Ouais, donc regardez-moi ça, la beauté du jeu, quoi. Regardez-moi ça. Ça, c'est l'île où on était tout à l'heure. Et tout ça, c'est l'île. Le mosasaure. Hein, qu'on reconnaît bien, sa queue et tout. On te connaît, toi. Tu vas nous manger, toi. On te connaît. Hein. Dans Ark World. Non, dans Ark World. Je confonds tout. Dans Jurassic World, hein. On t'a vu. Bon. Regardez-moi ça.
film avancé pour vous. Hein. Bon, regardez ça. Magnifique. Au revoir. Voilà, donc l'île où on va passer le restant de nos jours. Parce que oui, on va... Ah oui, moi j'y vais habiter, hein. Moi je viens pas juste pour le parc, hein. Moi je reste habiter avec les dinos. L'avion, j'ai pas compris ce qu'il fait là. Hein, j'ai pas tout à fait compris le but de l'avion. Ah si, c'est les dinos. Ouais, non, j'avais oublié, c'est les raptors. C'est... Bonjour les raptors. Je suis sûr ils seraient capables, les raptors. Ils sont trop intelligents. Par contre, il y a un truc jaune là-bas, je sais pas ce que c'est. À tous les coups, ça c'est un truc qu'on va débloquer en se bat. Il y avait un train. Ça c'est à tous les coups, c'est un truc qu'on va débloquer en se baladant par là-bas, ça. Va falloir aller dans l'eau. Voilà, donc on arrive dans le musée. Voilà. Donc j'espère que vous m'entendez, que tout va bien se passer. Et que... Par contre, le train très très silencieux. Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi on n'a pas ça ici, hein? Je veux savoir. Donc je ne sais pas si je suis le premier français à faire ça, mais de ce que j'ai vu, oui, parce que quand j'ai cherché genre Ark Park et tout ça, sur YouTube, j'ai trouvé que des trucs anglais, des trucs, voilà quoi. Donc je fais ça justement pour tout le monde, pour que vous puissiez découvrir le jeu. Si vous hésitez à vous le prendre, voilà. Donc là on va accéder au parc. Si vous avez le PlayStation VR, vous hésitez à vous le prendre, vous êtes français, vous regardez les vidéos, vous comprenez rien. Voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. Donc oui, bien sûr, je vais faire un let's play hein, jusqu'à terminer le jeu. Hein. Ah bah, bien. Voilà. Salut, Joe. Oui, mignon, Joe. Juste pour... Attendez, je vais un truc. Voilà. Donc je vais me remettre bien, parce que je m'étais pas mal mis dans la vraie vie. Ah, donc regardez-moi ce squelette du Rex. Ah bon, on peut voir une petite queue hologramme de Rex, hein? On te connaît bien, toi. T'es pas gentil. Vous me dites si je me trompe dans les dinosaures. Hein. Parasaur, brachiosaur... Triceratops. Stégosaure, je crois. Je suis pas sûr, mais voilà. Donc regardez-moi ça. Donc notre première petite attraction. J'appelle ça la roulette des dinos. Donc, nous avons l'Argentavis. Ouais, donc l'Argentavis. Ouais, c'est un peu dur à tourner. Le raptor. Le piranha. Voilà. Bon, on va savoir tout de suite si je me suis trompé ou pas. Stégosaur. C'est qui le best? Non. Et celui qu'on attend le plus. Petit dino là. Eh, regardez, pas de respect. Ah bah attendez, l'Argentavis. Allez, vol. Non, voilà, on arrête, voilà, le Tyrannosaurus Rex. Voilà. Donc là, on arrive sur la map. Hein, voilà, c'était très très grande map. On peut accéder, regardez, boum. Donc là, Welcome Iceland. Donc là, ouais, c'est là où on est. Et il y aura tout ça après. Donc, si je me trompe pas, la première île qu'on débloque, c'est... Ça doit être... Je sais plus. On verra bien après. Donc, à prendre... C'est galère, par contre, à prendre. Voilà. Donc, le Triceratops. Vous êtes prêts? Vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts? Vous êtes prêts? Je vous l'ai dit, vous y étiez pas prêts. Le raptor. Ah, je vous dis, vous êtes pas prêts. Hein. Ce jeu, il est ouf. Oh, le petit Rex qui fait plaisir, hein, quand même. Hein. Alors, par contre, celui-là, c'est le plus stylé, donc je vais essayer de le montrer parfaitement. Ah, bah, c'est grave. Regardez ça un peu. La beauté. C'est
C'est un peu galère par contre à diriger quand même, donc c'est pour ça que je fais des zigzags de temps en temps. Donc là, on accède aux données du Rex. Alors le manger, ça c'est quand il va nous manger la tête. Ça, c'est quand il va nous manger la tête. Ça, c'est quand il va ne pas regretter justement. C'est quand, voilà. Ça, ça va être pour nous faire peur. Et ça, c'est quand il nous aura digéré. Nous arrivons à l'illustration du raptor. Eh oui, le petit raptor. Ah oui, magnifique ce raptor. Hein. Ah moi ça, cette tête là. C'est pas magnifique. Petit squelette là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais pas vous me toucher déjà. Boum, on va donner à manger. Un parasaur. Eh ouais les gars. Il y a lui qui s'approche là. Regardez, ah il l'a piqué. Ah le bâtard. Oui il était content. Bon, bah du coup le brachiosaur là qu'on voit juste à notre droite. Attendez, je vais mieux vous le montrer là. Là, vous êtes pas prêts. Hein. Voilà. Ça, c'est ce qu'on veut voir, ça. Ça, c'est les Rex. Quand on va les monter comme ça, on sera des dieux. Qu'est-ce que je viens de... Bah, désolé. J'ai reçu une notif, mais je sais pas ce que c'est. Voilà, donc là, on arrive dans le sérieux, là. Bonjour, Mima. Bonjour, Joey. Donc là, on va aller dans nos tentes, voilà. Donc la tente habillage et la tente craftage. Ouais, je sais même pas si ça je dis, mais on s'en fout. Voilà, tac, je suis trop rapide. Donc voilà, ça c'est nos trucs de craft, voilà. Ça c'est ce qu'on va se craft. Voilà, donc là on a un œuf, on a nos gants, pioche. On va tout ça plus tard, ne vous inquiétez pas. On met tout ça dans nos inventaires. La baie, s'il te plaît. Parfait. On peut se casser. On voit le mec qui l'a déjà fait. Hein. Ah, voilà, donc ça, ça va être... Je vous spoil pas. Petite surprise. Hein. Donc, je vais m'arrêter. Voilà, donc là-bas, il y a un petit panneau. Attention, hein. Donc on va pas aller se balader dans la forêt tout de suite, hein, moi je vous le dis. Là-bas, je sais pas encore à quoi ça sert. Je sais pas du tout ça, réellement, je sais pas. Donc là, on a tout clôturé. Quand on aura nos Rex là-dedans, là, voilà. Donc je vous ai spoilé, c'est pas grave. Oh, on s'en doutait que ça allait être la cage au dino, de toute façon. Hein. L'œuf magnifique hein, qui reste dans nos mains. Voilà. Voilà. Donc là, on fait incuber. Et on se retrouve après le. Non, je rigole. On se retrouve pas après le cut hein, parce que pour 7 secondes, les gars. Il s'excite la nouille, Joey. Hein. Il s'excite la nouille. Regardez ça là. L'éclosion. Donc là, c'est la partie que je redoute, parce que c'est la partie du tutoriel qui bug. Hein. Je me suis déjà fait douiller plusieurs fois même. Donc là, on ouvre la cage, vous êtes prêts? Bon, je vous dis, on va aller sur ce petit tas d'herbes, voilà, de feuilles. On va le regarder venir. Coucou toi! Coucou! Allez, viens! Allez, tu viens. Oups, le gars qui s'enjaille avec ses manettes. Allez, viens voir! Allez, viens voir! Allez, tu viens! Non! Ah si! Voilà!
What the fuck? Ouais, par contre, tu grandis peut-être un peu trop vite pour moi. En fait, tu vas juste m'embroucher, c'est tout ce que tu... Oula, non, non, j'ai pas confiance là. Bon, je me casse. Regardez comment il grandit vite ce truc là. T'en fais pas toi. Regarde-moi ça. On n'irait pas le caresser. Voilà. Sage. Oui, j'ai fait les chatouilles là. Fais les chatouilles. Fais les chatouilles. Fais des chatouilles. Bon. Parfait. Petite balade à dos de dino. Voilà. Regardez-moi ça là. Bon, j'avoue, j'ai pas pris le temps de vous montrer le paysage, mais cette petite balade en dino, elle va nous faire prendre le temps. Le petit stégosaure. Oui, tu es beau. Des squelettes pas très rassurants, hein. Je vais pas vous mytho. J'ai pas envie de. De rester à côté de ça, hein. Donc, admirer la beauté du jeu. Ouais, donc là encore un très très gros squelette. On s'en rend pas compte, mais quand j'ai vu ça là, pour la première fois, j'étais comme un ouf. Hein. J'étais en mode, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ça pouvait pas être aussi grand, si. Avant de lui casser une côte à lui, faut y aller là. Hein. Fallait y aller. Bon, après, on peut en parler du crâne de Rex, quoi, qui avait juste à nos droites, hein, qui fait pas du tout flipper, qui peut pas envisager les Rex par ici. Hein. Non, bah non. Ça serait pas drôle sinon. Oula. Le magnifique brachiosaure. C'est un brachiosaure. Ah, il mange. Et il boit. Cascade, regardez ça. Cascade. Encore un. Un crâne. On dirait pas trop un dino ce truc là. De l'autre côté, on aurait dit un dino. Je sais pas, vous me tour. C'était pas rassurant. Hein. Bon, 2 minutes. Hein. J'étais assis sur mon dino. J'arrive. Le flumeur qui a la flemme de se lever après aller sur son dino. Il est magnifique celui-là. Je l'ai pas en ce coloris. C'est la première fois que je vois. Par contre, ça. Des œufs. La crâne de Rex, les gars, c'est pas, je suis pas en confiance là, c'est, je suis très très confiant, hein. J'ai pas peur, hein. Je sais. On l'a entendu, le petit. Je crois que c'était un dino. Ouais, donc la petite, ouais, non, on s'en fout, hein. Prends le temps. La spider, le divor, le spino, le braco. Ouais, donc le sarco. Ok. Bon, on va vite retourner sur notre petit dino. Hein. On se promène un petit peu. Hein. Voilà, on visite. Hein. Bon. Et on arrive. On arrive. On va le. Oula. On va l'appeler The Kairi 78. Allez. Parce que vos mères, c'est des triceratops. Hein. Voilà. Bonjour, TK. Hello? Can you hear me? Can you hear me? Yes, you. Thank God. This is Section 44's Chief Engineering Officer. Name's Wrigley. I've opened a communication channel for your teleporter device. I'll make it short. The explosion you heard was caused by an abnormality from one of the brainwave towers in your vicinity. Brainwave towers are working the dinosaur's savage personalities in check. Soit c'est des compis. Got the picture through your thick skull yet? The tower keeps soit c'est le petit truc qui crache du venin là, les trucs. We've got engineers on their way to fix the tower, but I'm afraid they won't arrive in time. Merde là. I'm asking you for help. Oh, on les connaît bien dans Ark, hein. Petit truc au début de ton aventure, ils arrivent. Ils crachent un petit coup de venin. Oula. Le vent de l'arbre. Je sais pas si vous l'entendez. Si tu peux juste get near the tower, your tour guide's maintenance protocol will go into automation. Je te récupère, toi. Hein. Je te mets une selle et on va te couper. Tu vois ? Eh bien, c'est moi. T'as rien à faire, hein. Il y aura des plantes aussi. Je te nourris, toi. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un Rex ou quoi ?
Attends, c'est même fermé en fait. Oh, faut que je m'enlève encore. Et c'est quoi, non, je... Et bon, on se balade assis, regardez ça un peu. Les flemmards. Non, je rigole, hein. On va se lever un peu quand même. Hein. On n'est pas des flemmards à ce point, quand même, les gars. Si ? Eh hey. Merci pour la balade, hein, parce que moi je suis poli. Notre petite maman, regardez avec la touche qui clignote pour dire qu'on doit avancer avec cette touche. Voilà. Peu importe la touche, regarde, j'utilise celle-là, 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 celle-là. Allez, en attendant, je vous fais un petit ASMR. Allez. Alors, on va se récupérer dans la... On va se réfugier dans la tente. Voilà, c'est fini. L'ASMR le plus court du monde. ASMR de touche. Écoutez. Ok, c'est moi, devinez. On va prendre de, nos trucs là, c'est ça? Allez. La pioche. Non. Ah, donc ça, vous allez voir plus tard à quoi ça va servir. Hein. Voilà. On est méchant avec toi, ouais, Joey, puisque t'es pas gentil. Nos mains. Voilà. Vous verrez à quoi elles servent. Après... Vous verrez. Presque carré. Voilà tout. Oh, putain, c'est stylé. Et vous savez quoi? Retire-toi. Je dis retire-toi. Je crois que je me suis fait douiller, en fait. Il va pas s'enlever. Hein. Bon, tant pis. Le mountain part. Le mountain part. Alors, il y a des baies, du bois, du silex, de la pierre. Et, on va partir parce que je sais pas ce que c'est les deux trucs avant. Alors, des Wistiti. Une île qui vole. Et les gris sont cru dans Fortnite ou quoi là-bas? Vous la voyez la petite île qui vole là? Là. Ah, le petit panneau warning comme d'habitude. Donc là, tout ça, c'est ce qui est pas gentil. Ça, c'est ce qui est gentil. Donc nous, on est passé de... On était là. On est sur cette petite île, je crois. Mais on est là. Donc il y a des dodis. Ça, c'est gentil, les dodis. Les ptera et les argentavis, qui sont apparemment pas gentils. Oh, attends, c'est quand même pas trop beau, ça. Donc il faut qu'on prenne notre petit engin. Voilà, donc là, si vous avez compris. Voilà. On a scanné le petit truc là. Le petit Wistiti. Donc là, on va récolter du bois. Fais-moi de faire comme ça. Donc là, c'est un truc qui a protégé ça. Oh, il y a une passerelle et tout. Oh, les gars. Vous savez quoi? Bon, bah, les couilles, j'y vais avec mes mains. Ah, désolé. Oh, est-ce qu'on peut y aller? Oh, non. Les ptera. On s'en fout. Ah, parce qu'on peut pas passer. Je suis venu moi pour voir des dinos là, pour aller me balader là. Oh, regardez-moi ça là. Tous les. C'est... Je suis au-dessus des vides actuellement. Regardez-moi cette cascade là. Quand on aura accès à ici, je vous jure, la première chose qu'on fait, c'est. En partir et aller loin. Celui-là, ces arbres-là. Putain, j'ai cru qu'on est dedans avec ma manette, sauf que c'est vrai, ils sont pas. C'est pas des vrais arbres. Les jeux tellement prenants que tu crois que c'est la vraie vie. Et nous, on fouille comme des attardés. Regardez.
Non, on va y aller gentiment. Voilà. Voilà, donc on va reposer nos affaires. Presque carré parce que c'est trop stylé. Et on va retourner au Forest Trail. Boum. Allez. C'est pas trop stylé quand même. Je veux juste voir un truc. Voilà. Bon. De toute façon, la vidéo, ce sera que le tuto. Hein, vous croyez pas. Ah, c'est déjà long le tuto. Hein. Juste pour vous montrer un peu le jeu, comment on va faire. Surtout pour débloquer les petites armes et tout qu'on va avoir dans notre mode histoire du coup. Parce que si on fait pas le tuto avant, bah on se fait baiser et on doit tout faire tout seul. Hein. Donc, flemme d'aller... On va accéder à ce côté-là, je crois. Le côté engramme, je ne sais quoi, voilà. Et donc là, regardez, on peut débloquer des trucs de ouf. Genre là, je peux acheter l'épée si je veux. Mais... Il faut acheter le petit pistolet. Donc là, je l'ai débloqué. On le prend. On peut tirer. Non, sérieusement, on va le poser. Et là, il nous faut 10 diamants, 20 de pierres, 10 de feuilles et 10 de bois. Voilà. Donc là, on va appuyer sur construire. C'est pas trop satisfaisant, les gars? Et ça là. Ah, je peux pas tirer. C'est de la merde. Donc attention, c'est pas pour me vanter, mais je suis très très bon avec cette arme. Hein. J'ai pas compris comment on recharge. Ah! Putain, fallait me le dire avant! Putain, mais ils sont teubés! Moi, je me faisais chier à essayer de secouer ma manette! J'ai juste à faire ça! Voilà, après là, je vais juste vous montrer le chargement long. Si on se loupe, voilà. Donc si on se loupe, appuyez sur X. Donc, par exemple, si on arrive là et qu'on oublie d'appuyer sur X, là, imaginons, j'oublie d'appuyer sur X. Si je dois le feu d'action, tac. Ah, donc là, je me fais baiser. Hein. Donc, Battle et le Slide and Forest. C'est easy, apparemment. On va voir si c'est easy. Hein. Parce que moi, j'y crois pas trop. Hein. À tout ça, là, easy. Hein, d'abord, en fait, si ça va être ici, hein. Ah, les gars, les dinos là, on va les défoncer. La battle commence. Un épisode peut-être un peu long, mais bon, c'est le début. Hein. Faut bien un début à tout. Regardez, Fufu, Fire Jumper. Bah, fufu pour les intimes. Mais regardez là où il en est maintenant. Là, je suis gardé pour les gros. En fait, pas besoin de viser, c'est quoi? Ah oui, c'est vrai, c'est pas les tuer avant. Je peux pas anticiper. C'est easy en fait. Et regardez, vous êtes prêts? Allez, venez. C'est parti. Je suis chaud là. Bon, en fait, au pire, peut-être. Par exemple, là, regardez.
très très bon quand je vise, hein, mais sinon, je suis une merde. Allez, c'est parti, on se concentre. Allez. Ah, c'est easy, hein. Regardez, tac, on peut exploser le truc. Bam. J'avoue, là, je vais me faire mal à la main maintenant. Là, je vais jouer en compliqué, là. Ouais, c'est galère, bizarre, peut-être, hein. Ouais, ça, c'est fait, hein. Allez, gros rechargement, c'est parti. Nous on est des ouf. On va moins faire les ouf là, c'est parti. Ah, c'est pour ça qu'il fallait garder les boutons et tout. Là. Ouais, je m'en fous, là, je vise pas. Ah, c'est bon, allez, victory. Allez, c'est bon. On se casse. Allez, Jerry. J'ai dit, tu l'as. Ma vie, c'est de la merde. Je peux pas mourir en fait. Voilà. Back menu. C'est quoi X? Bon. Non, j'ai dit que je voulais aller vers le menu. S'il te plaît, Michel. Ah, voilà, ok, je veux. C'est pas X. Je suis un peu con, quand même. Hein. Donc, on revoit cette belle animation que je vous ai laissée au début sans bruit. Regardez ça. Et là, regardez. Désolé. Bon, tac. Voilà, donc on peut jouer en multijoueur. Ça par contre... allez, vous savez quoi, on va aller voir tout de suite si on peut. Europe et tout. Oh, si on peut. Ça va être ouf. Ça, je vous jure, on fera du multiplayer si tu peux. Bon, allez, du coup, sur ce magnifique paysage dark. Voilà, et ces constellations, les dinos, les météorites... Voilà, donc après ce magnifique paysage, j'espère que ça vous aura plu et qu'il n'y aura pas de bugs et tout ça. Allez, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde!